En 1977, Monsieur Bergerat a initié la lecture publique à Chelles au 29 Avenue de la Résistance, et ce, dans un esprit d'ouvrir au public, effectivement, tous les mercredis après-midi dans un premier temps. Alors ensuite, la ville de Chelles a décidé clairement de mener une véritable politique de la lecture publique, notamment en recrutant une bibliothécaire et 8 assistants. En 1980, effectivement, j'ai commencé mon premier poste à responsabilité au sein de la bibliothèque Georges Brassens, qui s'est appelé Georges Brassens en 1981 à la mort du chanteur. Et dans l'intervalle, on a créé un équipement de quartier qu'on appelait à l'époque le quartier du Montchalat. Et la bibliothèque a pris le nom de Olympe de Gouges. C'est une annexe de quartier qui fait à peu près 15 000 livres maintenant. Il devenait vraiment nécessaire de créer un lieu bien plus grand. Et c'est grâce à la structure intercommunale qu'on a pu réaliser ce projet à part entière, avec une diversité d'offres culturelles pour les 72 000 habitants. Et j'aurai le plaisir de diriger cet équipement dès le mois de juin. Depuis 2007, le réseau de lecture publique de Marne-et-Chantraine, composé des deux bibliothèques de Chelles, de la bibliothèque de Vers-sur-Marne, de la bibliothèque de Courtry, et depuis l'année dernière de la médiathèque de Brou-sur-Chantraine, s'est unifié autour d'une base informatique commune, d'une programmation culturelle à l'échelle du réseau et d'une politique documentaire harmonisée. Une remise à niveau des collections a été effectuée avec le remplacement des documents anciens et l'acquisition de nouveaux supports. La médiathèque de Chelles proposera dès juin 2013 quelques 70 000 documents. La médiathèque a formalisé un partenariat avec la bibliothèque sonore de Chelles qui permettra aux personnes déficientes visuelles d'accéder aux collections de la bibliothèque sonore directement au sein de la médiathèque et d'utiliser des outils de lecture tels qu'un téléagrandisseur et un logiciel de revue d'écran. Pour nous, il y a trois orientations culturelles qui président à l'ensemble du réseau. D'abord, l'enrichissement, la diversification des collections, bien sûr, avec le passage au multi-support. Deuxième orientation, c'est l'égalité des habitants du territoire face à ces équipements, des équipements de centralité, des équipements de proximité et des acteurs relais dans les structures encore plus proches, de façon à ce que tout le territoire soit irrigué et émaillé. La troisième, c'est l'amplification, l'approfondissement de la sensibilisation du public, l'accompagnement de l'action culturelle. Nous ne sommes plus sur une organisation par support ou selon la traditionnelle distinction jeunesse-adulte, mais on est sur une organisation thématique autour de 5 pôles, plus l'auditorium. C'est le deuxième équipement du réseau après le kiosque à Brou. Avant l'équipement de Courtry début 2015 et pour finir la rénovation du Centre des Arts et Loisirs de Vers. Cela suppose aussi pour nous une synergie entre les écoles de musique et les médiathèques. Alors ici, ça ne se passera pas dans le même équipement, mais le futur conservatoire, la future école de musique sera à quelques mètres en face. J'attends déjà qu'il y ait un vrai accompagnement au début, parce que je pense qu'on sera tous perdus, parce que ça va être excessivement grand, que les espaces soient aussi bien départagés et que les gens soient aussi sympas et à l'écoute de nos recherches. Comme ici, trouver des livres, mais aussi pouvoir avoir accès à de la musique. Alors je crois qu'il y aura aussi des DVD, il me semble. Et puis il y a des partitions de ces genres de choses et je crois que ouais, on va essayer de voir pour essayer de déclencher quelque chose chez notre fille. On va enrichir le potentiel de culture, si j'ose employer les grands mots.